comment ou bien les traité parce que les bisso ou bien bisso de toko banda si koyo en zéro pour to banda colonne aux en terrain ou au en tant qu'individu pose à la claire avant d'entrer sa réponse en tant qu'individu. Ok, Ndebe Tolobaki, en tant qu'individu, SAPCO, Salon Mopona Congo, a des terrains ouverts, c'est-à-dire disponibles. Tout dépend, Missus Basoya a expérience à Bango. Mais une expérience, tout partager expérience Wana et acquitté sur le terrain, même, pour travailler. Le travail qui oblige. La main, tout ça, on en a beaucoup. Bah, je pense qu'il y a d'autres terrains où cerclage, c'est ça. Le cerclage est fait à la main. C'est ça. On en a beaucoup. Mais je pense que ce cerclage, ça, on en a beaucoup, papa. Je ne peux pas mettre des appareils. Mais il y a des engins qui sont prévus au Ezoya pour faire des grosses œuvres. Éventuellement, par exemple, au sein de la colonne, comment on appelle, bionnage. Les billons. Mais les billons, plus qu'on a, si on a 10, 5, 50 ou 500 hectares, mais là, on a des matériels, des engins agricoles qui seront là pour. Et puis, si on apprécie vos réponses, merci. Salon Mopona Congo a déjà un chronogramme de travail des activités. Soit pour cette première année, soit un chronogramme général. Ou alors, est-ce que Salon Mopona Congo attendra l'exploitation peut-être de l'usine d'adhésion, de l'enseignement, pour savoir avec qui on travaille, comment on travaillera, où on travaillera. Ça, c'est la première question. Accès au texte des statuts. La troisième. Voilà, c'est le chronogramme. Oui. La deuxième question. Je vais commencer par répondre à la troisième question. Je pense que c'est d'abord le document, c'est d'abord l'administration qui doit être préparée, ensuite la faisabilité. Le statut, comme je viens de répondre tantôt à M. Devant, les documents sont là. Je répète encore, je ne sais pas ici, les documents est enregistré, je ne sais pas comment ça se travaille l'administration, via le numéro, le F92, avec un numéro d'identification, si vous savez vous-même vous en procurer. Normalement, ça se passe automatiquement dans les entreprises. Quand l'entreprise est reconnue, vous allez ou à la commune ou sur cette entreprise, ou à l'administration communale, vous demandez, je veux chercher ce numéro ou le nom. Vous l'aurez directement. Mais on peut aussi vous faciliter la tâche. On a toujours aussi une copie, vous prenez une photocopie, pour votre gouvernement, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Sur le deuxième point, avant de sortir ici publiquement, en 2009, on a commencé. Avant de prendre le temps, vous voyez, de sortir ici, on a fait une expérience interne entre nous pour pouvoir inviter les gens. Depuis 2009, on a de l'activité et des chiffres. J'espère qu'on vous remettra aussi une copie du tableau, ce que vous souhaitez. On a 2009, 2010 et 2011, avec les parcours ainsi que les rendements et les pertes. On a évalué ça nous-mêmes en interne. Vous savez pourquoi? Pour ne pas sortir comme des charlatans ou faire croire et que finalement, il n'y a rien du tout. 2009, on est en 2013. C'est la première réunion que Salongo fait ouvertement devant les gens. Les tableaux sont là. Vous aurez aussi une copie. Les rendements, combien de maïs, combien de... Il y a du manioc ici, maïs. C'est-à-dire en 2009, manioc, il y avait 5 hectares. En 2010, 5 hectares. Manioc, cosette, c'est marqué 3000 kg en 2009. Mais avec des petits hectares pour l'instant, il faut le temps aussi de faire avancer. En 2010, on est retombé à 2960 kilos.
et en 2011 on est arrivé à 3300 kilos. Mais là, ça dépendait du temps qui a fait ou comment on a semé. Et la troisième et la dernière. La dernière question, c'est le début du travail. Ça dépend de la sortie des fiches, la signature que vous avez. Ok. Les fiches que vous avez ici, au fait, ça nous permet, nous, avec nos partenaires qui ont de terrain en possession, voir comment on peut prendre les jeunes ou les adhérents, les couvrir sur le terrain. Vous voyez? Parce que je peux avoir un collègue ici ou un partenaire ici qui dit, ok, j'ai 50 hectares, mais qu'est-ce qu'on va faire ceci? On va aller dans les fiches d'adhésion, par rapport à l'endroit où ils sont, 500 hectares, quoi, il faut encore un camion agricole, oui, ça c'est un partenaire. Il faut combien d'hommes ou personnes sur place? Il faut 50 hommes. On a combien? On est à 250 hommes. Fait une fois le triage, est-ce qu'on peut avoir 50 hommes pour l'envoyer ou à Kassangoulou ou à Pateau de Bateke? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que agrandir le terrain, vous voyez? Parce que on peut avoir des terrains, mais s'il n'y a pas assez d'hommes et que je ne vais mettre que des machines, papa, qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne fais rien. Mais par contre, si on a des terrains, on a aussi des hommes. Mais on responsabilise ces hommes, on les conscientise. On a des terrains, ils travaillent. Parce qu'à long terme, il y aura des gens qui vont travailler à temps plein qui sont aussi rémunérés. C'est ça, les adhésions. Pour faire la balance entre la demande sur le terrain et les adhérents qui sont là, ou chômeurs, ou qui ont des idées dans la culture, ou des experts. J'espère que j'ai répondu. Le chronogramme, savoir. Les fiches, mais on en s'y anticipait. Je rappelle encore, c'est depuis 2009, on travaille. Tous, on a essayé de regarder. On a pris le temps de voir un peu à long terme, pour ne pas arriver quelque part, d'être bloqué, dire ah, on n'a pas pensé à ça. On a visualisé à long terme comment peut-on récolter, aller voir les gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les mamans qui vendre sur le marché et faire la production finie, c'est-à-dire tout ce qui est jus et accessoires. C'est-à-dire on a planifié à long terme. Pas nécessairement nombre d'adhésions, en nombre du moins, on a fait un calcul de certains produits. La première question, concernant si on va rester, je pense que mes collègues ici vont essayer de relater. Ça nous répond à Congo, c'est pas sur le point agricole, parce qu'on parle de l'agriculture. Le premier projet ici qu'on a un peu développé, on parle de l'agriculture, de l'élevage, la culture maraîchère, la pisciculture, l'évacuation des produits agricoles, l'amélioration de l'alimentation et réhabilitation des routes des déserts agricoles. C'est-à-dire on ne reste pas que dans... Et la deuxième question, ça va de soi. Je ne peux pas laisser les gens en suspens, en hauteur, et le reste aller chercher ailleurs. Ça serait pas correct. Sotozo Kende, par exemple, on a poussé un peu plus, on a pris cet exemple côté Wana. Ah, vous savez, ah, bah, mangue et zalarati. On a souvent mangue et zalarati partout. Mais est-ce que quelqu'un a pensé une fois à ça là, confiture, il y a mangue. Tout qu'il n'a pas produit fini, pourquoi pas? Pourquoi il faut chaque fois tout qu'il n'a pas, il y a, bâtir de la bise, confiture, n'a pas mangue. C'est ça. C'est ça que ça nous veut pousser. Tout qu'il n'a tinasuka. Tout ce qu'on peut faire. J'espère que j'ai répondu. Merci. Le fait d'avoir rencontré un peu tout le monde aujourd'hui et via les adhésions, c'est en partant de là qu'on va essayer de faire la part des choses. Je ne sais pas ici s'il y a des gens, parce que j'ai eu des appels des gens de Bandundu et de Kisangani. Mais si vous voyez, tout le monde est sur le lit ensemble. Et que Bangope, Bazuli, Kamwa Salon. N'a répété Bazui Ikamwa Salongo. Salongo, c'est tout le monde ici. Soki Moutuna Moutu Ache Makaisinae ensemble n'est pas français. Yamou Nanobi, Soki Azui Pe Salongo et Komiyeti Yaye. Mais papa, à combien représentant la bande de Moutu?
Koumi antenne. Kinshasa, ce n'est pas tout le Congo. Mais toute chose commence quelque part. Le fait que Banda a na côté à partir de Bateke, mais ça antenne. Nde tonobi, tonobi depuis 2009, mais tonobi mikar en 2013. Tous huit temps, il y a ressentir les premières difficultés. Mais le fait de vous rencontrer tous sous la zone, tous huit va payer les deuxièmes difficultés. Les représentants, il y aura. La porte, elle est ouverte. Ça c'est la première question. La deuxième question. Le Congo est vaste, papa. Quand vous regardez la planification de la terre, il y a plusieurs régions. Mais les régions forment la terre Congo. Mais c'est pour ça que quand il n'y a pas d'un côté, il y a l'équateur, ça c'est pareil. Aux associations dans le secteur culture, mais oui, pour renforcer, on va travailler comment? Ou en tant que partenaire? L'association Missou Soussé Benga déjà, l'association de Bango. Ils s'adhèrent, ils disent non, ok, nous on accepte ça dans le monde du Congo, on va travailler avec vous, on arrête l'association. Ils sont libres. Retenir une chose, un peuple conscient, tout ça va comme Bélé. La porte de Salomo, elle est ouverte pour tout le monde. Tous les individus, n'importe quel âge. Vous êtes l'association, non, pas document administratif et légal. On va discuter ensemble. Pourquoi? Pour vous protéger, vous, en tant qu'association, et nous protéger aussi, ça nous reprend la Congo. Mais c'est au Kani. Mais tout ensemble, parce que tout ce n'est pas un Kamoko. Pourquoi? Permettre à tous les Congolais de se retrouver pas lire. C'est au Kani ensemble, pourquoi pas? On va ensemble dans le même but. Et la troisième, je pense que j'ai répondu à la deuxième question. La troisième. Pour l'instant, les documents qu'on a ici, et ça va document d'adhésion, qu'on peut appeler contrat, mais on a plus formulé ça. Fiche d'adhésion. Fiche d'adhésion. Et ça, fiche d'adhésion, et ça libre, papa. Tout ce qu'on dit ici, tout ce qu'on stipule, on va stipuler ici, au Balbaki, au Balbaki tantôt, qu'on a un peu essayé de faire comprendre, tout est dedans ici. Vous prenez le temps de lire. La fiche, elle est là, elle est ouverte. Intérêt, c'est un contrat. Vous voulez adhérer, c'est un contrat. Ou bien vous avez travaillé, vous voulez que nous venions apporter un plus dans ce que vous faites, c'est encore un autre type de contrat. Donc le texte en fait, donc la fiche d'adhésion détermine quel type de contrat on peut signer avec chaque membre. Parce que le fiche, en fait, la fiche d'adhésion ici nous permet nous de continuer à structurer ça dans le Congo par rapport aux gens qui ont des terrains et des gens qui sont disponibles pour aller sur le terrain. Et ensuite, il y a aussi des formations, mais des gens qui ont déjà une dette, qui sont déjà un expert. Mais on ouvre une autre fiche, un contrat déterminé, indéterminé, et tout ça, on verra ça avec le service juridique. Je ne sais pas. Je voudrais savoir quelle est la classification que vous avez pour l'élevage déjà. La classification. Oui, puisqu'il y a un domaine où les gens ne considèrent pas comme élevage. Oui. Il s'agit de l'apiculture. Je ne sais pas si elle est épinglée dans votre programme d'élevage. C'est dans le projet. Pourquoi? J'ai eu un technicien qui m'a appelé concernant ce domaine. Comme je le redis encore, je ne suis pas expert agronome ou expert dans la pisciculture. En gros, je prends le temps de comprendre, mais on m'a appelé concernant les abeilles, les formes, les dimensions, les cruches à respecter. On m'a parlé de la production, comment le miel, on peut arriver jusqu'à avec ça qu'on fait, les bougies, c'est ça, la cire pour les bougies, ainsi que le cirage. C'est bien ça. Salongo, c'est large. Et je ne savais pas tout détailler tout ce qu'on peut faire ici. Ce n'est pas évident. Mais la proposition, elle est ouverte, elle est bonne. Pourquoi pas, vous serez le premier peut-être à entreprendre les jeunes dans ce domaine. Moi, je vous encourage d'adhérer dans ça, Salon Pona Congo. Comme ça, on dira, ben, on a un expert dans ce domaine. Vous me direz, si on a un terrain quelque part, on plantera le terrain, on va mettre des cruches, mais vous serez représentant. Pourquoi pas? Soyez le bienvenu dans ça, Salon Pona Congo. Merci. Là, je peux revenir sur
nos objectifs, au point nous avons dit de promouvoir la création ainsi que la remise en forme des structures petites et moyennes entreprises et autres organisations non gouvernementales sur le territoire congolais, ainsi que la remise en forme des entreprises et autres coopératives déjà existantes. Regrouper plusieurs domaines et champs de vision tels que l'agriculture, le transport, la construction, la santé, l'assainissement, la formation, l'assistance sociale, l'énergie, l'éducation, le sport, le média, la littérature, l'oreca, la pêche, le service de gardiennage, la réinsertion sociale, tout ça dans le respect des cultures congolaises. Vous voyez, c'est une gamme large d'activités qui ouvre la voie à d'autres activités. Si ces activités ne sont pas citées, mais certainement, elles auront une relation avec celles qui sont citées que nous allons développer. On ne savait pas, c'était pas évident. Vous voyez, quand on doit remettre le statut dans l'administration, qu'on essaie de, si on doit tout rénumérer, vous imaginez un peu le livre qu'on va déposer. Il va d'abord me dire, papa, il y en a marre mieux au salon comme ça. Vous voyez? Mais vous êtes le bienvenu. Vos idées, c'est ça dans Mokona Congo. Congo, c'est pour tout le monde. Merci. Tout le Congolais. Nalingina, tout la production, tout le Congolango, la proportion, Ndakisa. Est-ce que vous pouvez être son combo? La bessie combo, Simon Biamou. Simon Biamou. Nalingi, quoi, la production, tout le Congolango, Ndengeni, la proportion, Ndakisa. Ce qui na komi na bilanga ya salongo pona Congo na loni hectare mobimba tango tokubuka tokabula nene ni association ko zwa 50% na bien na 50% to ko zale manene ni. Merci. Après la fiche, après remplir fiche d'adhésion, bat autres qui t'a bango sur le terrain. Exemple, toqué un terrain de plateau de Bateke. Aux heures d'un quart de membre, chaque présence na yo sur le terrain, aux a pointé. Chaque avancement et à terrain, tout ça que le terrain ici est avancé par Mutumo, Somolo, Malem Malembe, toujours enregistré. Tant aux Bima, mais camion. Ou tout ce qui est accessoire toujours utilisé, il faut continuer à les rentabiliser. Une partie, dire exactement ou 50%, ou 100%, ou 90%, c'est difficile d'évaluer ça comme ça. Comment on dit? Il y a des gens, il y a, au sein de Salon Kupona Congo, il y a des gens, bon, ça n'a pas calculé exact. Parce qu'ils ont calculé, on oublie que ceux qui ont l'oubli, par exemple, sur un hectare, mais ça au Yéga pendant 2-3 fois, pendant un mois, tout le monde nous soutient, aux Zongi. Comment on va faire ce calcul? Parce qu'il faut tout continuer culture. Mais tout ça sont des paramètres que par rapport à ça qu'il faut nous respecter. Ça peut être tableau, Anna. Tout bas, papa, ou qui lundi, mardi, 3 mois plus tard, au Yé. Mais nous avons réclamé un hectare, Nayo. Mais ce qui est sûr, une partie en tout cas, parce qu'il faut continuer à alimenter. Babus, il y a différents points. Tout ce qui est aspect matériel et engin agricole, le carburant, il faut continuer à alimenter. Tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire ma solopette, ma botte, il faut aussi continuer à alimenter. Mais il faut que au reçoit 99%, que 1%. Dans l'état actuel, je ne pense pas. Mais c'est d'abord de mettre sur le terrain, au tala, comment toujours avancer, dire tout ça là, et après le rendement, avec le tableau, on va graffiner tout ça, recorder la mise au bimboyé, parce que mise c'est pour la ranakat, mise au sondé, pour te on a marché. Et c'est à partir de là qu'on pourra identifier exactement le rendement et les pertes et l'avancement. Je voudrais ajouter un petit une statue. D'ailleurs, beaucoup de statue. Dès que dans le bac, il y a une société. Ce n'est pas une SPR.
c'est une ASBEL, donc c'est une association sans but lucratif, donc est engagée par tout. L'air aux autres de Kosala, dans la salle où on a Congo, au Kozoa, salaire n'a pas été mon salaire n'a pas été. C'est-à-dire que l'air aux autres de Kosala, il faut te rendre compte que mon salaire n'a pas été mis si produit. C'est-à-dire qu'il n'appartient même pas, et pas il y a bureau, oui, bureau, ils allaient une liste à contrôler à Kotala, et là, Kosongolo, Mikalgo, ils allaient à Moutusongolo, ou le jardin, ils allaient à Moutusongolo. Si l'air produit n'a pas été bima, et mon ami qui produit tel, et ça lui a mon tout tel. Je crois que je me fais comprendre clairement. Et c'est sur base à ça. Donc, comment la au bimisi combien de tonnes au bimisi ba anana, il y a un anana. Au bimisi combien de kilos au bimisi par exemple 1000 kilos ou 100 kilos ou 300, 500 kilos d'anana. Asbel, à côté là, par rapport à la production, afin que le temps soit de Tokozoa 10%, bisoyon soit ce qui soit de Tokozoa 20%. Soit tu as besoin d'un soit parce que du coup il faut Asbel à fonctionner. Ce qui Asbel a su bah machine, il y a besoin là que bah produit mon sous-sol et mis ça qui bah anana na oana ezala et bimana bah jus d'anana. Asbel a besoin de consommer, a besoin de consommer bah anana côté mon sous-sol. Il faut savoir que bah anana au yo produit one. Si quoi yo comment on en est, ok de côté ka libanda par na yo bien ôté que là kaka Asbel. Donc il y a ils ont un bloc et belé autre pour ça parce qu'il faut pas perdre sa paix. Baninga mosusu a coupé ma nutritionniste, ou a coupé ma magasinier. Il a dit kaka mosala kaka koteka. Il faut na alimentation Asbel le bilan surtout ne soit que de koteka. Mais il faut pendant beaucoup de temps dans Asbel pour que perdre sa misala mosusu. Donc ça dépendra d'engue beaucoup signer contrat et mosala soit aujourd'hui totalement par nayo. Alors à ce moment là que vous avez collé aux autres c'est retourné sur la Asbel ou soit aujourd'hui pourcentage mokoboué. On peut s'y faire Asbel, pourcentage moussous. Et qui, na carte Asbel, a se retrouvé na yoli soussoupe na carte. Donc, ma kamboué belé, je crois que le président Kozoa tant, il y a quoi analyser yango. Mais bilan que ça d'abord y a yo. Bilan que ça y a yo, mais contribution, on peut faire ça pour que Asbel et Tamboula et Kozoa la 10%, 20%, 30%, tokota là, comment ça va se passer. Mais ça sera pour votre avantage, rassurez-vous, parce que les alliés sociétés, les alliés de l'autre, ont tué mon corps. Donc, ça c'est sûr que avantage, la limite est que c'est la 50%, 50-50, je ne pense pas. Bon, il y aura un deuxième point technique. En termes techniques, moi ça m'a limité. Non, je réponds toujours à cette question. Dans une compliquée question, on a. En termes techniques, réponse est en gros. Moussala Souké Salami, il y a deux personnes. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de notre conférence. Bazali, Ozalina Elanga, Ozalina Terrain, Ozalina Esika, Moussala numéro de président. Il y a un peu de temps pour nous soit président directement. 0@gmail.com. gmail.com. C'est ici. Salut, mon bon à Congo. @gmail.com.